Alors, bienvenue les amis sur ma chaîne et aujourd'hui sur la reprise de Wolf Among Us, et vous aurez assez vite le Walking Dead, l'épisode. Je vous laisserai à peu près une semaine pour voter pour cet épisode. Je précise que j'enregistre juste après avoir fait l'épisode, donc c'est pour ça que vous voyez des extras. Hein. Mais vous inquiétez pas, je l'ai découvert en live, des choses comme ça. Donc je voulais remercier O'Killer et Quetzup qui ont voté. On reviendra sur le vote après. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu l'histoire. Donc toujours pareil, j'utilise des images pour expliquer un petit peu le principe. Bigby a été en train d'interroger Tweedledee en présence de Crane et de Barbe Bleue. J'ai fait le choix, puisqu'il n'y avait pas assez de majorité nette, d'essayer de l'influencer. Je pense que j'ai réussi quand même à trouver des informations par rapport à Dee. Donc je ne l'ai pas amouché, hein, j'ai essayé de le convaincre un tout petit peu. Je précise que je ne l'ai pas libéré, mais vous verrez que ça a une importance dans l'épisode que vous allez voir. Je précise deuxième chose que donc à la fin il y a eu le cliffhanger de cet épisode où on pensait que Blanche était morte et en réalité Blanche est bien vivante. Donc ça c'était énorme cliffhanger, hein, une bonne nouvelle évidemment. Bigby a montré un peu ses sentiments en disant qu'il était très heureux qu'elle soit encore vivante. Et on s'est dirigé vers le fameux corps qui ressemblait parfaitement à Blanche. Alors évidemment, en observant et en... C'était un bon travail d'enquête, hein. Je trouve que là, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je l'ai refait quand j'ai tourné, puisque c'était un peu trop... voilà, bon bref, c'était un peu trop... On reprenait un peu depuis le début la morgue. Épisode de la morgue, donc en farfouillant, bah, on a pu voir des indices comme quoi elle se droguait, comme quoi elle était habillée bizarrement et voilà, hein, un peu prostituée ou alors en tout cas danseuse. Et en farfouillant un petit peu, on a vu qu'elle avait un. Je vais y arriver parce que je sais jamais. Ne regardez pas si vous voulez pas vous faire spoil, je pense que c'est ça. Un trompe-l'œil qui était de mauvaise qualité, tiens, je vais rester sur ça. Et en farfouillant, ben on s'est rendu compte que c'était une troll et c'était en réalité la sœur de Holly Lily, voilà, travaillait. Hein, on la voit, hein, voilà, vous avez la tête là, voilà. Et Lydie a un petit peu basculé, vous verrez ça, hein, vous découvrirez ça un petit peu dans cet épisode. Et donc, il est arrivé un choix, Crane est revenu, hein, donc il y a eu la dissipation du fameux trompe-l'œil, et donc on a découvert, hein, que c'était bien une troll, et donc la sœur de Holly, comme je dis. Et il s'est poursuivi, est-ce que Blanche devait venir avec moi, ou je devais la laisser un petit peu au bureau. Et O'Killer et Quetzup et moi, on était tous d'accord pour une fois qu'elle devait me suivre. Donc vous allez voir cet épisode, et cet épisode et ce choix a une importance, vous allez sans doute comprendre très vite tout ça. Voilà, donc bon visionnage les amis, et puis laissez-moi vos commentaires, hein. N'oubliez pas de voter, vous avez à peu près à une semaine, hein. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant, moi ça me plaît toujours autant. Allez, à tout de suite. Alors les amis, on se retrouve, hein, après cette longue truc. We should go. You can't go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Bigby is not in charge of me. He's in charge of this investigation. If Snow wants to come with me, I'm not gonna stop her. But... We should leave now. You ready? Yeah. Bien fait pour toi, Crane. La tête de ton. De con, quoi. Et de con. De ton et tout ce que tu veux. Bref. On va aller voir Holly, je pense que ça va aider parce que elle aime pas Bigby déjà à la base. Vous vous rappelez de la dernière fois? Trap bar. This whole thing is complete bullshit and always has been. Ah, mon pote. What's his job, really? To keep shit from reaching the woodlands. Jack, I don't know where they are. You're a bar. You're supposed to have darts around. And I normally do, but Jack. Who knows where the fuck they went to after? C'est Jack et la haricot magique. Le jouet et le bonheur. Come on, Holly. I need entertainment. This'll do. Elle arrange tout.
Okay, okay, I know. Just relax. Not here to start anything. Okay. Miss White, I heard you had kind of a strange morning. Il est bizarre ce mec aussi. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing. It really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Qui c'est ce type? Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar, here. About you. Not too good right now. Well, that's sad to hear. Me? Oh, I'm great, as usual. Uh-huh. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Purée. Tweedledee was just here. He said it looked like Snow White. Sure it wasn't Tweedledum? Well, no, but he seemed pretty sure. Crane. Sorry. Bon bah, c'est Tweedledee crazy. Said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of your legislative duties. Maybe, come on. Ce petit con. You can't be so dumb as Jack, to... Jack, find the off button, now! What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around. But as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want any more. So just stop revving his motor or wait outside or fuck the hell off. I don't care which. Jack. What? Bigby, look. Two fables are dead. And shit, Gren's sister... Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Actually, have there been any updates on my sister? I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who it was. J'étais doux. Boy, I sure walked into that one. If you say one more fucking thing, just one more thing. Ouais, ok, ok. Le puits, il a l'air con, mais ça a l'air d'un petit con, mais quelque chose de... Ouais, j'aurais peut-être dû le virer, quoi. God fucking damn it! Of course, the dear princess Snow fucking White is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you? You'd give one ounce of a shit about her, about any of us. She might have been saved. She might have been cared for. Elle va s'énerver. All right, everyone. Clear out. I ain't leaving her with you. No way. Il y a l'autre petit con. Je suis désolé. Holly, get the fuck out of my bar. I just want. It should have been you. It should have been you, and it wasn't. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare and very old. That was decent of you. Gren. Yeah? Take off for a bit, would you? Are you sure? Elle s'est bien débrouillée, Blanche. Elle va pour... On va pouvoir discuter avec elle. On va pouvoir l'interroger. Je pense qu'on n'aurait pas pu l'interroger si Blanche n'avait pas donné ça. C'est vraiment bien particulièrement fait.
I don't know that much about her life. Honestly, we didn't talk often. She was lost here, in the city. She just got swept away by it. Why were you two not talking? It seems so fucking petty now, but I just... I didn't want to watch it with her. Ah, c'est pareil que Face. I think she was off the Monday drugs, but she was hooking to pay down debt. C'est toujours le mec, petit enfoiré, quoi. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the Puddin' and Pie. On va aller voir ce petit con là. The owner Georgie, with all his fucking fees, it's a crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really. Holly, it's okay. If it's too much, we don't have to do this. Georgie? What do you know about him? We can just go talk to him. We've got a lead. Maybe we can take it from here? Lily. Thanks for everything, Holly. Is there anything we can do to... No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't... Quelqu'un de bien quand même. It's not charity. It's looking out for our own. Is she... Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, it's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise, or... I don't know. J'en ai rien à foutre de Crane. Fuck your soul up. Of course. Okay. Good. Let's go down to the business office and start making the necessary preparations, all right? Elle va être en présence d'Oli. C'est bien. That club? I'll go down there now. See what I can find out from the owner. Je vais lui kicker sa ass, mon gars. I'm impressed. Really, thanks. It just made everything easier. Bon, j'aurai un nouveau extrait, je vous le montrerai après. Ouais, mais peut-être que le passé, ça peut servir. Je suis bien d'accord avec Bigby qui regarde le mur défoncé. Ce petit Jack là, je ne sais pas ce que c'est, mais casse-couille. Sisters, ouais. C'est un bar d'entraîneuse ou de pute, quoi, en gros, hein. Georgie. C'est le genre de personne pour qui j'ai aucune sympathie, le mec. J'ai travaillé sur la faiblesse des femmes et leur addiction. Oh, Sheriff, what a nice surprise. I'm not sure I've seen you here before. You're always welcome, of course. Is it business or pleasure? C'est qui cette fille? I've got some questions for Georgie. Straight to business this time, then. You're in luck. He's here. Come on. C'est qui cette fille? I should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working. Quelle tête de con. And he's in kind of a mood right now. I mean, more so than usual. I don't much care how he feels about it. Ah, well, you two will get along just swimmingly. Un truc bien miteux. Welcome to the pudding and pie. Where we cater to the diverse tastes of the fable community. Your pleasure is our pleasure. Your desires are our desires. Your imagination is the menu, and discretion is our guarantee. Did you know Lily? She worked here? My lips are sealed. You'd better ask Georgie. Le vieux tuner autocassette. Quelle tête de con celui-là. What do you think you're doing?
You look like you're trying to take a shit. Who's gonna want that? No one's gonna want that. I can take it from here. Good luck. It's your face. You have to smile. You never smile. Quelle tête de con. How many times do I have to say it? You're supposed to turn the clients on. That's your job. Oh, it's you. We're closed. Ça, j'aime pas, et c'est pas les bonnes questions. Keep dancing, you. I didn't say stop. Bref. For fuck's sake. You, stay right there. Don't even think about sitting down. We're not finished. Leave her alone, asshole. Sure, whatever you say. What do you want then? You here for a little taste? Quel con. Tell you what, come back after. Mais c'est un vrai connard, hein. I can hook you up. Or, knowing you, she's probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me. Je vais être franc avec vous, je vais être assez violent avec vous. Parce que cette petite pute. Fuck you, Georgie. Et en plus, il se fout de ma gueule, ce con. Jesus, Bigby, you're so corny. I love it though. No, seriously, I love it. Mais quel con, quoi. Mais quel con, il se fout de ma gueule. Ok, alright, sheriff. J'aime pas son sens de l'humour, j'aime pas son style. When did you hear about it? Listen, sheriff. Around here we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens, I hear about it, especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was glamoured. Of course she was, you daft git. She was a troll. No. I mean glamour to look like another fable. Yeah? Well, so what? Who gives a toss? People get up to all kinds of things when nobody's watching. It's their own business. It's sick. Ha! That's quaint. Especially coming from you. The 13th floor would never provide a glamour like that. It's strictly black market stuff. Ooh, black market, is it? How exciting. Mais putain, mais ce type... This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up. Mais il crache au coup. We're all just meant to jump anytime. Je vais montrer la photo de Blanche. He used to be something, you know. Get that out of my face. This was part of the glamour we found on Lily's body. Take a good look. She was impersonating Snow White. Why? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. For fuck's sake, I want that kind of heat. Who was she doing it for, then? She had clients, Bigby. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fable. Ouais, mais ça, c'est mon cul. Try looking in the mirror. Il se fout de ma gueule. Anyway, now what to do with me. Bon, bah, je crois que les amis, il y a deux possibilités, hein. Est-ce que j'y vais en mode... c'est évident que c'est ça, quoi. C'est évident que c'est ça. Mais j'explique, hein. Si j'y vais, parce que là, je pense que ce type, il comprendra pas. Est-ce que j'y vais en mode furie, bon, vous avez vu les choix, hein. D'autres choses à dire, ne rien dire, l'étreindre et le fracasser. Quoi. Vous me laissez, vous faites le choix. Bon, moi, vous avez compris qu'est-ce que je vais prendre, hein. Parce que je pense qu'avec lui, ce petit con... on est obligé d'y aller en franco, quoi. Bon, il y a les deux sœurs là, voilà. Livre des fables. Alors attendez, je vais juste vous montrer. Il est bizarre ce type, hein. Ah, ça se rapproche de la fin. Bon, bah, les amis, vous savez ce que j'ai à vous dire, hein, donc c'est-à-dire, bah, j'espère que vous avez compris. Est-ce que j'y vais en mode... Ouais, on va arrêter.
Est-ce que j'y vais en mode un peu comme j'ai fait avec Dee, c'est-à-dire tranquille, l'interroger, essayer de lui tirer les vers du nez, ou lui foutre une bonne chose. Honnêtement, autant Dee, j'avais peut-être de la sympathie parce que c'est qu'un homme de main, mais alors ce con qui se fout de ma gueule et des choses comme ça. Je précise, hein, vraiment, si j'y vais mais vraiment à fond. Hein. Je lui explose sa baraque. Hein. Et tout quoi. Donc voilà quoi. Il y aura pas de pitié pour ce petit con. Allez, bah, laissez-moi vos commentaires, vos remarques. Je compte sur vous pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je regarde juste quand même les choix peut-être du joueur. Donc on redescend. Hein. Hop. 91%. Ok. Ok les amis, ciao les amis, laissez-moi vos commentaires, vos remarques et vos choix et je vous dis vous avez à peu près une semaine et j'attends toujours le retour de Capi Chef. Allez, ciao ciao.